Je suis Lucas Oyo, je suis en quatrième année en école d'ingénieur à l'Estaca et je suis champion de France de volant planeur junior 2023. J'ai commencé le planeur à 14 ans car j'appréciais beaucoup le vol et vu que je souhaite devenir pilote de ligne, le planeur était pour moi un bon début. J'ai passé mon brevet de pilote à 16 ans, j'ai eu mon emport passager à 17 ans et mon complément de formation cette même année. Et quand j'ai eu 19 ans, j'ai souhaité commencer la compétition. J'ai été vice-champion de France junior en 2021, puis troisième en 2022. Et cette année, je suis champion de France de volant planeur junior en classe standard avec mon planeur. Être étudiant à l'Estaca et en parallèle être sportif de haut niveau reconnu par le ministère des Sports me permet de pouvoir vivre ma passion toute l'année. La fédération nous permet, en tant que sportif de haut niveau, de mener un triple projet, donc personnel, professionnel et sportif. Et l'Estaca m'encourage en plus à prendre du temps pour m'entraîner et avoir un bon niveau, tout en continuant mes études et d'assurer un niveau scolaire pour suivre mes années en école d'ingénieur. Donc tout cela réuni me permet de bien mener à ce projet, ce triple projet, et j'en suis très reconnaissant. Le monde de l'ingénierie et le planeur étant deux milieux qui sont complètement différents mais qui se retrouvent de par le milieu aéronautique, ça me permet d'enrichir mon expérience aéro qui est important pour moi. Et d'autre part, le fait d'avoir des études d'ingénierie mais aussi me permet de cibler ce que j'aime dans ce milieu, notamment dans ma prochaine carrière d'ingénieur aéronautique. Pour la suite, suite à mes résultats sportifs en 2023, j'ai été sélectionné en équipe de France junior pour participer au mondial qui se déroulera en Pologne l'an prochain. Et moi, ce que je souhaite, c'est être pilote de ligne. C'est pour ça que j'enrichis en permanence mon expérience aéronautique. En parallèle de ça, être ingénieur en maintenance aéronautique est un domaine qui me plairait tout autant et qui me permettrait de concilier planeur et vie professionnelle, même si c'est une passion et que le travail reste une priorité.